Donc bonsoir à tous, salam alaikum. Bienvenue dans cet espace qui est la BFM de Limoges, la médiathèque de Limoges, qui selon nous est le meilleur des espaces pour accueillir une conférence qui va traiter de l'émir Abd al-Qadri, en particulier du pont qu'il représente entre l'Orient et l'Occident. En introduction, peut-être vous présenter rapidement l'Association des Amis de l'Algérie. Donc, l'Association des Amis de l'Algérie est une association qui s'est créée il y a 4 ans maintenant, qui est un projet qui s'inscrit en continuité de l'engagement associatif qu'il y a pu y avoir antérieurement, depuis plusieurs générations, sur le territoire de Limoges. L'association a pour vocation de travailler, mettre en perspective, mettre en valeur le patrimoine algérien, que ce soit un patrimoine ou du point de vue culturel, architectural, artistique, spirituel. Et c'est ce pourquoi aujourd'hui nous accueillons dans cet espace-là cette conférence autour de la personne qui a marqué l'histoire contemporaine, qui est l'émir Abd al-Qadr rahimahullah. Je voudrais saluer la présence de M. Ben Salem, donc, qui représente les autorités consulaires algériennes sur le consulat de Bordeaux. Une présence affective et qui témoigne de l'amitié et de l'importance qu'ils accordent à la population algérienne, franco-algérienne de Limoges, qui est une population importante, qui est inscrite sur le territoire local depuis plusieurs dizaines d'années, donc depuis les années 50-60, des familles qui sont présentes ici depuis plusieurs générations et qui sont complètement inscrites donc, dans le territoire local, à tout point de vue. Je voudrais saluer également M. Bouaz Al-Aïd, qui est représentant de la Fédération franco-algérienne de la Nouvelle-Aquitaine, et M. Bouaza également représentant du CRCM, c'est ça ? Voilà. Rapidement, vous présentez M. Jacques Baudet, qui va nous accompagner ce soir et qui nous propose une perspective historique. M. Baudet, qui est historien, qui nous vient de la Charente, donc département voisin, et qui va nous apporter cet éclairage, donc professeur d'histoire, qui est retraité aujourd'hui, et qui va nous proposer cette perspective historique à partir de laquelle nous engagerons un débat, un échange avec la salle. Bon, c'est avec beaucoup de plaisir que j'anime cette conférence, parce que c'est une symbolique toute particulière. En fait, il se trouve que je travaille très régulièrement sur la ville de Pau, et on verra le lien qu'il y a entre la ville de Pau et la personne de l'émir Abd al-Qadr. Donc sans plus attendre, je vous donne la parole, Monsieur Baudet, et puis nous procéderons au fur et à mesure de votre développement, éventuellement, à des questions avec la salle. Merci à vous. Merci Hamid. Et je suis très heureux de vous retrouver avec les amis de l'Algérie. Je deviens en quelque sorte, moi aussi, un ami de l'Algérie. Voilà. Alors, le choix d'un tel sujet correspond à la situation que nous vivons actuellement, celle d'un choc des cultures, qui certes ne date pas d'hier, mais qui prend de l'ampleur aujourd'hui avec la mondialisation. Dans ce contexte, la personnalité de l'émir Abd al-Qadr m'a paru très intéressante par son action et par sa pensée, qui peuvent encore aujourd'hui nous apporter bien des réponses aux questions que nous... J'espère qu'on m'entend bien, oui, ça va. Aux questions que nous nous posons dans cette confrontation de notre culture occidentale avec l'islam. C'est que pour reprendre une analyse d'Alexandre Adler, je cite, « longtemps relégué dans une friche folklorisée de notre imaginaire, l'islam revient sur la scène de l'histoire » comme une question et comme un miroir tendu vers nous. Comment comprendre ce nouveau monde ? Il faut renoncer aux idées toutes faites et à nos peurs. Il faut pousser la porte qui ne pourra plus se refermer. Abd al-Qadr, par l'exemplarité de sa vie, de ses engagements et de sa pensée, peut nous aider dans cette réflexion, lui qui se voulait être l'isthme des ismes et créer entre nous des ponts. Alors, excusez-moi pour ma prononciation qui n'est pas arabisante. Hein. Donc, Barzak al-Barazak en arabe. Ça va ? Barzak al-Barazik. Voilà. Donc, je vais m'appuyer sur Hamid pour ces passages. Voilà, de façon à ne pas brutaliser
la belle langue arabe. N'étant ni orientaliste ni islamologue, c'est simplement en historien que j'aborde ce sujet sur la vie, les engagements et la pensée de l'émir Abdelkader, en m'appuyant sur les travaux notamment du professeur Bruno Etienne, auteur de nombreux ouvrages sur l'islam, plus particulièrement sur l'Algérie, et qui s'est tout naturellement intéressé à Abdelkader. Il y a eu bien d'autres biographes d'Abdelkader, à commencer par des contemporains de l'émir, tels Charles-Henri Churchill, voilà, c'est pourtant, et Mgr Antoine-Adolphe Dupuche, dont les publications sont anciennes, hein, auxquelles il convient d'ajouter des auteurs plus récents venus du monde musulman, comme Smaïl Aouli, Yahya Bouaziz et Mohamed Cherif Sali. C'est dire la fascination qu'a exercé Abdelkader auprès des historiens, tant en France qu'en Algérie. Par ailleurs, il se trouve que j'ai eu une grand-mère qui portait l'étrange prénom d'Isli, qui rappelle le souvenir d'une bataille lors de la conquête de l'Algérie. Jamais su pourquoi elle avait reçu ce prénom. Je suppose peut-être que cela du fait qu'une partie de notre famille, les Dufour, du côté maternel de cette grand-mère, était partie en Algérie. À la ferme de mes grands-parents, pour les réunions de famille et les jours de fête, il était servi du vin d'Algérie de la société Sénéclose. C'est peut-être à cause de cette fascination d'enfant pour un lointain pays que j'en suis venu m'intéresser à cette histoire des relations franco-algériennes et à l'un des personnages les plus emblématiques de cette histoire, l'émir Abdelkader. Nous allons voir d'abord l'enfance et la jeunesse d'un chef. Nous verrons ensuite le djihad et la guerre juste de 1832-1847, l'exil à l'Hijra, hein, et le retour en Orient. Le 6 septembre 1808, le 22 du mois de Rejab, je ne sais pas ce que je prononce correctement, de l'année 1222 de l'Égir, selon les uns, le 15 du mois de Rejab de l'année 1223 de l'Égir, pour d'autres, Abdelkader est venu au monde, à la Guetna, près de Mascara. Il était le troisième fils de Mayeddin al-Asami, descendant du prophète Mohammed, d'après la tradition locale et familiale, responsable religieux de la grande tribu des Hachem, cheikh de la Kadiriya, une puissante confrérie religieuse installée dans la région agricole de l'Oranie, proche du Maroc. Mayeddin al-Asami, le père, a vu en rêve un destin particulier pour ce fils qui lui est venu de sa seconde épouse. Aussi a-t-il tenu à consacrer une attention toute particulière à son éducation religieuse et politique, car elle a estimé que cet enfant a été marqué du sceau de la baraka divine. Le jeune Abdelkader a donc grandi à la Guetna, entre l'apprentissage des sourates du Coran et des hadiths, les paroles et les actes du prophète, et l'initiation à la voie soufie. Dispensé par son père, dont le nom prédestiné de Mahi al-Din signifie le vivificateur ou encore l'introducteur de la religion. On ne lui a coupé les cheveux qu'à l'âge de 2 ans et c'est vers sa 7e année que s'est réalisée la circoncision, marquant ainsi son entrée dans la communauté musulmane. Très tôt, Abdelkader a appris et connu par cœur le Coran avant de s'atteler à l'étude de la Sunna, la tradition prophétique, les hadiths, et donc au fondement de la religion musulmane. Il a abordé quelques années plus tard les obligations canoniques avec le jeûne du mois de Ramadan, qu'il a fait entrer dans la communauté des hommes. Autant d'événements qui furent à la fois l'occasion pour l'enfant d'expliquer l'islam et d'honorer la clientèle de la confrérie présidée par son père. Abdelkader a aussi appris l'adab, la bonne éducation. J'espère que je prononce ça. Adab. Voilà. Corrigez-moi. Hein. Adab. Voilà. La bonne éducation, la politesse, la courtoisie qui préside aux relations, les hiérarchies des gens et des choses, le sens du devoir et du respect, ainsi que les bonnes manières conformes à l'ordre islamique. À 12 ans, il est devenu taleb, c'est-à-dire commentateur autorisé du Coran, des hadiths et des plus estimés d'entre les glosses de sa religion. À l'âge de 14 ans, il lui a été confié une classe dans la mosquée familiale, car il avait à expliquer
les passages les plus difficiles et les plus obscurs des commentateurs. Sa mère lui a appris à lire et à tisser, car dans la tradition arabe, l'homme doit savoir se vêtir lui-même. Elle lui a enseigné qu'un homme de religion doit se comporter toute sa vie de façon modeste, en évitant l'ostentation. Cette éducation particulière a fait de lui non seulement un musulman accompli et convaincu pour devenir un théologien, mais aussi un initié sur la voie mystique. Mais l'éducation religieuse, certes essentielle, n'est pas tout. Et son père, Mahieddin, l'a initié aux choses de ce monde, notamment à la passion des chevaux. Il a conduit son fils à visiter les tribus et les souks dans la région, dans toute la région, et à assister aux grands moussem, ces vastes réunions périodiques qui marquent les fêtes autant tribales que religieuses. Le jeune homme y a appris la valeur des échanges de toutes sortes, les discussions sur les contrats, mais aussi le prix du blé et du fourrage. Il y a écouté les bardes qui chantent la grandeur des Arabes et la vie du prophète. Il y a rencontré aussi des Juifs. Il a observé les forgerons, maréchaux ferrants, si importants et si utiles dans un monde entièrement dépendant des chevaux. Le prophète lui-même n'a-t-il pas dit « Celui qui a un cheval arabe et l'honore, Dieu l'honorera ». Et c'est à cheval qu'Abdelkader a parcouru toute la région de Tlemcen au Sahara jusqu'à Oran, à la recherche de ce savoir dont il a été toujours insatiable, au point qu'il irait le chercher, comme il est écrit dans le Coran, jusqu'à la Chine s'il le faut. Abdelkader a complété son instruction auprès d'un vieux maître savant, Sidi Hamed Ben Tahar, Al-Rif, à Oran, où il a rencontré celui qui sera plus tard son beau-frère, Mustapha Ben Tahmi. À Oran, l'enseignement a été plus académique, avec un autre grand savant lettré, Sidi Hamed Ben Khodja. Il a étudié non seulement la théologie et la philosophie, mais aussi toutes les sciences développées par les Arabes, et il s'est adonné avec plaisir à la poésie, aussi bien andalouse que celle de Bagdad, la Qasida. Oran était aussi le siège de l'administration bicéphale ottomane. Oran était alors, c'était le siège de l'administration bicéphale ottomane, rattachée au gouvernement turc représentant le sultan d'Istanbul. Abdelkader y a alors rencontré et découvert la différence marquée, l'oppression, le mépris des puissants. Du coup, il en a gardé pour toute sa vie une forte hostilité envers les Turcs. Sa famille ayant besoin de renforcer ses alliances, son mariage avec sa cousine Keira a été un mariage arrangé par sa mère, car un fils de Sharfa, un descendant du prophète, ne pouvait pas épouser n'importe qui. De même, sa sœur Khadija a épousé le frère de la femme d'Abdelkader, Mustapha Ben Tahmi, qui était aussi son cousin germain. Ainsi que se construisait tout un système d'alliances à partir de la stratégie matrimoniale qui était alors la clé et la structure sociale du pays. Mahieddin al-Hassami s'est trouvé aussi satisfait de l'éducation de son fils, désormais reconnu, un hafiz, un savant reconnu et lettré, connaissant parfaitement le Coran, les hadiths et les commentaires. En 1826, il décide de l'emmener avec lui pour accomplir le pèlerinage à la Mecque. Abdelkader, qui a alors 18 ans, peut porter désormais le titre de Hajj, celui qui a fait le pèlerinage, un titre nécessaire à ses fonctions de futur chef spirituel de la confrérie et des tribus qui en dépendent. Le pèlerinage a duré 2 ans. Les pèlerins se sont joints à une caravane venant du Maroc et a aggloméré tous ceux qui ont décidé de partir pour l'Orient. Mais les affaires allaient mal entre les confréries, les tribus et le pouvoir bellical, représentant des Turcs. Le bey d'Oran fit arrêter la caravane pour retenir Mahieddin et son fils comme prisonniers à Oran, au grand scandale de toute la région lié à cette famille de saints hommes. Après plusieurs mois de négociations, le bey a fini par les relâcher. Mahieddin et son fils ont pu rejoindre Tunis et s'embarquer pour Alexandrie. À partir de là, le pèlerinage s'est bien déroulé. Mahieddin et son fils ont pu rejoindre le Haram, le territoire sacré, où ils se sont mis en état de pureté
pour aller ensuite jusqu'à l'enceinte sacrée de la Kaaba. Le voyage s'est ensuite poursuivi à Bagdad, où les deux pèlerins sont allés visiter le tombeau du faucon gris, Abdelkader al-Jahami, dit le faucon gris, le fondateur de leur confrérie. Alors que Mahieddine était en prière près du tombeau, le destin de son fils leur a été annoncé par un grand homme noir à la recherche du sultan de l'Occident. Parmi les pèlerins en prière, car il avait ajouté, le règne des Turcs va finir. Une sorte de prophète. Mahieddine, tout ému, y aurait vu la confirmation dans ses rêves de l'avenir de son fils. Il en est persuadé, son fils préféré est de la sorte sous le signe de Dieu et appelé à un grand destin. Après Bagdad, Mahieddine et Abdelkader sont allés à la Mecque, puis au Caire, Al-Qaïra, la triomphante, dans une Égypte en pleine ébullition, pour aborder la modernité. Le parcours au retour s'est effectué comme à l'aller, en bateau jusqu'à Tunis, puis à pied jusqu'à la Ghetna, en Oranie. Le retour à la maison familiale s'est bien sûr traduit par de grandes cérémonies et des fêtes. Le jeune Abdelkader, devenu à la fois Hafiz et Hadj, est resté plutôt préoccupé avant tout par les thunes, les livres, la prière et la méditation. C'est alors un jeune homme, frêle, aux yeux bleus, mais dont le corps a été raffermi par la chasse, les jeux, les chevaux, les fantasias, comme les longues randonnées solitaires. C'est qu'en dehors de l'étude, sa seule passion est pour le cheval, car il aime parcourir la région sur son étalon noir à la recherche d'un nouveau livre ou d'un savant inconnu retiré dans quelque ermitage. Alors, Zawiya. L'encre des savants est plus précieuse que le sang des martyrs, proclame un hadith. Mais Dieu, voilà, en a décidé autrement. Alors voyons maintenant l'Al-Jihad ou la guerre juste qui s'est déroulée de 1832-1847. En 1830, les puissances européennes, surtout la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, envisagent d'occuper de vastes territoires depuis le Proche-Orient jusqu'au Maroc. Officiellement, pour mettre fin à la piraterie des barbaresques en mer Méditerranée, en réalité, il s'agit de contrôler tout le commerce nord-sud en écartant l'Empire ottoman. Le partage du monde méditerranéen est donc en marche. À l'ouest, la France s'intéresse au Maghreb. À l'est, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne se tourne vers le Proche et le Moyen-Orient, le Mashrek. En 1827, une affaire commerciale et financière a précipité les choses. Excédé par le non-paiement d'une créance de la France, le dey d'Alger aurait frappé de son éventail le visage du consul de France, Deval. C'est cet incident du fameux coup d'éventail qui a servi de prétexte au blocus d'Alger 3 ans plus tard avec une intervention militaire. Le 5 juillet 1830, le dey Hussein et les Turcs d'Alger ont abdiqué après 3 semaines de combat, soutenus par les 35 000 hommes du général de Bourmont. De leur côté, les beys d'Oran et de Titeri ont fait allégeance au nouveau maître d'Alger. Mais le bey Ahmed de Constantine était entré en résistance avec l'appui des tribus locales. Avec la chute du roi Charles X en France, le 29 juillet 1830, le corps expéditionnaire français qui occupait déjà Médéa, Oran et Beaune a reçu l'ordre du nouveau roi Louis-Philippe d'Orléans de poursuivre la conquête, mais en limitant les opérations militaires au littoral, en laissant l'intérieur du pays aux chefs indigènes. Cette brutale présence militaire française a été ressentie par de nombreuses tribus arabes comme une agression dont le modèle imaginaire restait celui de la croisade. Aussi, face à cette incursion des infidèles en terre d'islam, les Algériens ont réagi, mais avant tout en musulmans, en croyants. En Oranie, Mahieddine al-Hassami a proclamé le djihad et il envoie ses fils combattre sous les remparts d'Oran où les Français sont retranchés. Abdelkader s'y est révélé comme un valeureux soldat, malgré ses blessures. Voici quelle fut la proclamation de Mahieddine al-Hassami. Je cite, « Les Français forment une nation guerrière
riche en hommes, pleine de ressources et dévorée par l'esprit de conquête. Et qu'avons-nous à leur opposer ? Des tribus en lutte les unes contre les autres, des chefs intrigants et rapaces se battant pour agrandir leur fief, une bourgeoisie rejetant toutes les contraintes, les uns s'enrichissant par le pillage, les autres s'accrochant désespérément à leur propriété. Non. Au roi des Français, on ne peut opposer efficacement qu'un roi qui soit comme lui à la tête d'un État. L'idée de trouver un roi. Telle fut la proclamation de Mayeddin al-Hassami, le chef de la tribu Hachem et cheikh de la Qadiriyya, au chef arabe. On peut y voir là l'acte de naissance de l'État algérien, un peu comme la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 fondant les USA. Donc la déclaration du père d'Abdelkader. Le rassemblement des chefs arabes à la Guetna, sous l'égide de Mayeddin al-Hassami, a conduit à la recherche d'une organisation comportant des hommes, des chevaux, du ravitaillement, du fourrage, etc. Mais aussi, il faut se doter d'un chef. Abdelkader, âgé de 24 ans, beau jeune homme, sage, instruit, pieux, pour son charisme, fut élu émir, je crois que cela veut dire prince en arabe, hein, le premier, hein, chef des armées et le sultan des Arabes. Dans un beau discours, il a su s'imposer et déclare « Je suis Hajj Abdelkader, fils de Mayeddin, shérif, descendant du prophète par mon père et par ma mère, et il importe que vous sachiez mon nom, qu'il court à travers les souks jusque dans les douars et les zawiyats les plus reculés. Je ne veux pour moi aucun des prestiges auxquels vous pensez. Nous entrerons dans Alger la Blanche et nous chasserons les infidèles de notre terre. Mais pour mener la lutte contre l'envahisseur, il faut d'abord se débarrasser des Turcs. Aussi, c'est contre les milices du Bédoran et quelques autres personnages restés fidèles aux Turcs qu'Abdelkader commence à se battre. Le 17 avril 1832, Abdelkader proclame le djihad contre l'invasion française. Dès 1833, il contrôle Mascara et Tlemcen. Si le corps expéditionnaire français tient les villes côtières, il se heurte à l'ouest aux cavaliers d'Abdelkader. Une trêve s'impose du côté français pour gagner du temps et essayer de comprendre qui est cet ennemi si mobile et si insaisissable. Le 26 février 1834, le général Desmichel signe un traité de paix avec Abdelkader, ce qui a eu pour avantage de renforcer l'autorité de l'émir, mais aussi pour inconvénient de diviser les généraux français sur la conduite à tenir face à une telle opportunité. Abdelkader a de son côté montré à la fois des qualités de chef, de stratège et d'organisateur. Sa force repose sur sa cavalerie et s'appuie sur une ligne de réserve à grains dans des silos enfouis et des greniers collectifs pour avitailler ses troupes. En tout cas, à Paris, cette trêve est jugée maladroite et Desmichel est remplacé par le général Trezel et les combats reprennent. Abdelkader remporte quelques succès, comme à la Makta, en juin 1835. Mais devant l'abandon des siens divisés eux aussi sur l'opportunité de traiter avec les Français, suite aussi à une défaite infligée par le général Bugeaud sur les bords de l'Oued Sikak, le 6 juillet 1836, Abdelkader se voit contraint de signer un traité à la Tafna, le 30 mai 1837, avec le général Bugeaud, traité ratifié ensuite par le roi Louis-Philippe. Pendant que les Français s'emparent de Constantine, le 13 août 1837, et poursuivant le Bey Hamed jusqu'en Tunisie, cette nouvelle trêve permet à l'émir de poursuivre l'unification de son État. Abdelkader supprime les distinctions traditionnelles entre les tribus, mais cette unification n'a pas été du goût de tout le monde. Il fait percevoir l'impôt sous la forme de la dîme canonique, mais pour la verser dans un trésor public afin de rémunérer les magistrats nommés par lui. Il a créé surtout une véritable armée, s'appuyant sur une série de places fortes, de Tlemcen à Médéa, ensuite jusqu'à Constantine. Il établit sa capitale à Tandem, sur le lieu même
d'une ancienne capitale, Taerte, qui fut celle d'une dynastie prestigieuse, celle des Rostémides. Mais cet édifice politique reste fragile, car Abdelkader doit aussi combattre les tribus rebelles et des confréries qui lui sont hostiles. Il reçoit pourtant l'aide de conseillers techniques et des militaires européens, souvent déserteurs et parfois espions à la solde de pays intéressés à remplacer la France en Algérie. Les Anglais sont très forts pour ce genre de choses. Il a même créé une monnaie. Dans sa capitale, il a fait construire des fabriques d'armement et aménager des réserves et des magasins pour la nourriture. Il édicte règlements militaires, crée un drapeau, des grades et des uniformes pour son armée. Il fait même un règlement au sujet du sort des prisonniers, ce qui lui vaut l'estime de l'évêque d'Alger, Mgr Dupuche, chargé de l'échange des prisonniers. Mgr Dupuche est resté ensuite l'un des plus fidèles admirateurs et son ami. C'est dire que d'une façon générale, Abdelkader suscite l'estime et la sympathie chez ceux qui l'ont approché, amis ou ennemis. Nommé gouverneur général de l'Algérie le 22 février 1841, le général Bugeaud, qui disposait d'une armée de 100 000 hommes, décide de livrer une guerre totale, sans pitié ni scrupule, tout en sachant qu'il doit se heurter à un adversaire redoutable et admirable. Je cite, « Cet homme de génie, disait-il, ressemble assez au portrait qu'on a souvent donné de Jésus-Christ, d'une espèce de prophète, et c'est l'espérance de tous les musulmans fervents. » Malgré cette admiration, le général Bugeaud s'est révélé intraitable au point de faire détruire la Guetna de Mayedine, pratiquant la politique de la terre brûlée. Bugeaud, qui avait compris la tactique de l'émir, a cherché à détruire les silos et les réserves qu'il avait rencontrés, isolant ainsi l'émir, qui doit en même temps affronter le découragement des chefs indigènes, alliés et prêts à déposer les armes. Épuisé et affamé, des cavaliers l'ont abandonné pour retourner dans le Sahara. Bientôt, la capitale, Tagdemt, est prise et la Smala, un immense campement de tentes qui suit Abdelkader dans ses déplacements, a été aussi prise le 16 mai 1843. C'est un événement célèbre dans l'événement, la prise de la Smala d'Abdelkader. On raconte qu'au-delà de la défaite militaire avec la prise de la Smala, Abdelkader a eu à regretter la perte et la dispersion de ses livres et de ses manuscrits. Mais l'émir n'était pas dans le camp et le duc d'Aumale a dû continuer à poursuivre et harceler le reste de l'armée de l'émir qui s'est réfugié au Maroc et qui a continué à organiser des incursions en territoire algérien. C'est qu'entre-temps, Abdelkader avait reçu l'appui du sultan du Maroc, Abdelrahman. Les Français ont répliqué par le bombardement de Mogador et de Tanger et l'écrasement de l'armée du sultan par l'armée du général Bugeaud le 14 août 1844, à la bataille près de l'ouest de l'Isli, alors voilà l'Isli qu'on retrouve, qui fut le nom de ma grand-mère, à la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Du coup, le sultan du Maroc s'est cru obligé de se désengager de cette lutte contre les Français auprès d'Abdelkader en signant un traité de paix à Tanger, dans lequel Abdelkader est déclaré hors la loi dans toute l'étendue de l'Empire du Maroc et de l'Algérie. Et pourtant, Abdelkader a continué à remporter quelques succès, comme en septembre 1845, dans la vallée de la Tafna, à Sidi Ibrahim, faisant près de 200 prisonniers dont il n'a su que faire. Mais la guerre est devenue de plus en plus difficile, et la tentative de soulever la Kabylie a échoué. Abdelkader voit les désastres s'accumuler. De plus, son envoyé Hamidi, auprès du sultan du Maroc, a été exécuté, le sultan ne voulant assurer aucune aide d'une quelconque façon afin d'éviter les ennuis avec les Français. Traqué par les soldats du sultan dans le Rif marocain, où il s'est réfugié, l'émir s'est finalement rendu aux Français le 23 décembre 1847. En signe d'allégeance, il donne son cheval noir, un cheval qu'il aimait beaucoup pourtant, au duc d'Aumale. Duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe. Le général Lamoricière avait promis à Abdelkader de l'envoyer, lui et les siens, à Saint-Jean-d'Acre ou à Alexandrie. En réalité, il a été fait prisonnier. Le Moudjahid, le combattant, était devenu un Mouadjir. On prononce
pourrait dire, un émigré, un exilé. Et c'est en effet l'exil, al-Hijra, assorti d'une captivité de 4 années. Le jour de Noël 1847, soit 2 jours après sa reddition, Abdelkader et sa famille sont embarqués sur l'Asmodée, c'est le nom du bateau, à partir du port de Gazouet, près de Doran, pour être envoyés et emprisonnés sur les côtes françaises. Ainsi, après 17 années de guerre, avec seulement 170 000 hommes contre 100 000 hommes de l'armée française, Abdelkader a livré 116 batailles, usant les meilleurs généraux français parmi les 142 officiers qu'il a affrontés avant de se rendre le 23 décembre 1847. Alors voyons maintenant l'exil qui s'est déroulé de 1848 à 1852. À son arrivée au rade de Toulon, aucune décision gouvernementale n'avait été prise. Et si, dans un premier temps, on pensait pouvoir respecter l'engagement du général Lamoricière pour le transfert de l'émir et de sa famille à Alexandrie, et le roi Louis-Philippe était favorable, par contre, les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, se sont opposés à cette éventualité, craignant qu'il ne récidive dans une nouvelle révolte contre la France. Donc c'était pour le libérer, mais on se méfie. Finalement, le 10 janvier 1848, Abdelkader et sa suite ont été séparés en 2 groupes, les uns placés au fort de Malbouquet, tandis que l'émir et ses proches ont été incarcérés au fort Lamalgue. Le reste de la famille, arrivé un peu plus tard, a été enfermé dans l'île Sainte-Marguerite. Les conditions de détention ont été très, très pénibles, dans des cachots humides et froids, notamment pour les femmes, les enfants et les personnes âgées. Le sort s'est trouvé compliqué par le changement de régime avec l'effondrement de Louis-Philippe après les journées révolutionnaires de 1848 et l'avènement de la Seconde République. Le nouveau gouvernement ne sait que faire de cet encombrant personnage qui était l'émir Abdelkader. C'est qu'on craint encore son influence en Algérie malgré le serment renouvelé de l'émir à se retirer du monde. Moralement, Abdelkader souffre de cette situation, se sentant trahi et humilié. Se réfugiant dans la prière, il a pris la décision de devenir un guide spirituel en Orient et un exemple pour l'Occident. Finalement, Abdelkader et les siens ont été envoyés d'abord au château de Pau, donc au château de Pau en avril 1848, lors de son périple de Sète à Pau, ayant ainsi l'occasion d'admirer au passage les richesses de la France agricole, l'émir a exprimé son incompréhension de voir les Français venus envahir son propre pays, pourtant si pauvre et si mal irrigué. Il lui dit, mais pourquoi ? Pourquoi venir chez nous, il n'y a que des cailloux, alors que vous avez partout des prairies verdoyantes. Voilà. Des personnalités comme le général Domas, qui au titre de consul l'avait connu en 1837, et Monseigneur Dupuche, qui avait été évêque d'Alger de 1838 à 1846, ont milité pour que l'émir et son entourage aient un meilleur traitement. Le général Bugeaud lui-même a eu à cœur jusqu'à sa mort en 1849 de défendre la cause de l'émir pour obtenir sa libération. Mais pour les gouvernements en place, une question se pose. Que faire du prisonnier ? L'envoyer en Orient, mais ne pourrait-il pas être récupéré par les Anglais ? Il a donc été décidé de les laisser sous bonne garde et de l'envoyer ensuite au château d'Amboise en novembre 1848. Vous voyez, pour l'émir, c'est la vie de château, mais enfin, si on peut dire, c'est en liberté surveillée. L'arrivée d'Abdelkader et de sa suite à Pau comme à Amboise a suscité d'abord l'inquiétude des populations, puis finalement la curiosité et même la sympathie. Curieusement, ce sont les religieux qui, les premiers, lui ont fait le meilleur accueil. Des échanges et des entretiens sur le fait religieux, dans le monde chrétien et le monde musulman, dans une réelle ouverture d'esprit, ont suscité un vif intérêt. Et en définitive, Abdelkader a entretenu à Pau comme à Amboise une sorte de salon littéraire où l'on se bouscule pour avoir l'honneur d'y accéder.
Abdelkader a surpris tout le monde par son érudition. Il a instauré de fait le premier dialogue islamo-chrétien. Et je cite, « Si les musulmans et les chrétiens m'écoutaient, je ferais cesser leur antagonisme et ils deviendraient frères à l'intérieur et à l'extérieur. » Voilà une pensée de l'émir. Pendant ce temps, l'Algérie était mise en coupe réglée par les Français qui encouragent l'installation de nombreux colons et donnent des terres, comme l'a stipulé la loi sur la propriété indigène en Algérie du 18 juin. Sans s'inquiéter que ces terres appartiennent déjà à des gens. Enfin. Une double administration est mise en place, l'une civile pour les colons et une autre militaire pour les coloniser par le biais des bureaux arabes créés dès 1844. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, il y a du changement. Et ce fut le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du premier, hein, qui est venu lui-même à Amboise le 16 octobre 1852 pour le rencontrer et lui signifier sa liberté avec la promesse de lui verser une pension substantielle pour lui faciliter son installation ultérieure à Damas. Le 2 décembre 1852, après une réception officielle au palais des Tuileries, l'émir a été admis à passer en revue les troupes devant l'hôtel des Invalides. Lui, l'adversaire de la France, vous voyez, il est considéré comme un chef, un prince. Hein. Il a été aussi invité à assister à un concert à l'opéra dans la loge impériale à côté de Napoléon III. Ce respect de Louis-Napoléon Bonaparte pour Abdelkader s'oppose à une vision négative qu'a voulu entretenir Victor Hugo dans l'un de ses poèmes où il est question d'un Bonaparte descendant dans un cachot pour visiter un Abdelkader enchaîné. On sait que Victor Hugo détestait Louis-Napoléon Bonaparte et était prêt à inventer n'importe quoi pour dire sa hargne, son hostilité à Louis-Napoléon Bonaparte. Alors je cite, « Lorsqu'Abdelkader, dans sa geôle, dans sa prison, vit entrer l'homme aux yeux étroits que l'histoire appelle Napoléon III, mais au fond, toutes ses pensées méprisaient le sanglant gredin, le tigre, Napoléon, aux narines foncées, effleurait ce loup avec dédain. En réalité, Abdelkader a répondu à l'estime et à la sympathie de l'empereur, les Français l'appelant affectueusement le neveu du musulman de l'Égypte, faisant allusion à Napoléon Bonaparte, à son séjour en Égypte, Napoléon Bonaparte s'était particulièrement montré respectueux de l'islam. Je donne l'anecdote, des soldats étaient entrés dans une mosquée à cheval, enfin, et évidemment, les imams se sont plaints, Napoléon Bonaparte a mis de l'ordre, a présenté ses excuses aux imams, enfin, montré un grand respect. Ce qui lui a donné l'idée d'ailleurs de dire, tiens, finalement, le fait religieux, peut-être faire attention. Et ce qui lui a peut-être par le biais de cette histoire qui s'est passée en Égypte, lui a donné l'idée de rétablir le concordat, alors que l'Église catholique était devenue clandestine suite à la Révolution. Voilà, bon, c'est pour dire que là, Victor Hugo, il exagère, hein, c'est du mensonge, hein. Voilà, alors... Certains politiciens contemporains pourraient s'inspirer de cette période de l'histoire. Ah bon? C'est sur le regard porté, sur le respect porté à la religion musulmane. Eh oui, oui, il y a eu un très grand respect. Voilà. Donc le neveu, finalement, avait suivi l'exemple de l'oncle. Le retour en Orient, maintenant. Le 21 décembre 1852... Le Labrador, c'est le nom du bateau, quittant le port de Marseille, emmène toute la famille d'Abdelkader pour la Turquie. Le 7 janvier 1853, le navire accoste au pied du palais de Topkapi, dans le port d'Istanbul. Abdelkader s'est installé à Brousse, non sans difficulté, avant d'acquérir une vaste propriété agricole. Tout aussitôt, avec l'aide d'ingénieurs qu'il a fait venir d'Europe, il s'est lancé dans des innovations techniques. Une autre activité qui lui tient à cœur a été d'accueillir des réfugiés venant d'Algérie, victimes de la politique française d'expulsion et d'expropriation.
mais l'émir a été mal accueilli à Brousse, ou Boursa, par les autorités locales et par les élites religieuses qui méprisent, je cite, « ce petit marabout maghrébin ». Un peu plus tard, à la faveur d'une invitation à un séjour en France, Abdelkader réussit à convaincre Napoléon III de le laisser s'installer à Damas. Il a donc quitté sans regret la Turquie pour se rendre d'abord au Liban. De Beyrouth à Damas, sa caravane a rencontré tout au long du parcours un accueil chaleureux de la part des populations arabo-musulmanes. C'est qu'une légende était née, avait été propagée en Orient par de nombreux émigrés maghrébins venus s'installer dans la grande Syrie appelée le Bilad al-Sham, le pays de Sham, le territoire des actuels pays de Syrie, d'Irak et de Palestine. Abdelkader y a été attendu comme chef et guide de leur communauté, ce qui n'a pas été sans inquiéter les autorités ottomanes qui s'en sont plaintes auprès de l'ambassade de France. De fait, lui qui avait combattu la France était considéré comme un ressortissant français aux yeux des autorités ottomanes, ce qui est un comble, mais bon, c'était ça. L'émir avec sa famille ont choisi de s'installer à Damas pour se rapprocher de celui qu'Abdelkader considère comme son grand maître spirituel, Ibn Arabi, Al-Sheikh Al-Akbar, d'où son choix d'habiter dans la propre maison de ce maître andalou mort 6 siècles plus tôt. En 1857, Abdelkader a financé de ses propres deniers la publication majeure de son maître spirituel, les Illuminations de la Mecque, alors Futuhat al-Makkiya. Futuhat al-Makkiya. Voilà. Dont il avait recopié le manuscrit original à Konya, en Anatolie centrale, et qui était resté oublié de tous. C'est alors qu'il a pris peu à peu sa dimension religieuse pour s'affirmer comme l'un des grands mystiques de l'islam contemporain. À Damas, il professe, dans des lieux différents, un enseignement ésotérique et un enseignement public. L'après-midi, dans une confrérie, devant un public trié et choisi, le soir, entre deux prières à la mosquée des Omeyyades, où il donne des leçons et des consultations. L'enseignement de l'émir est un modèle de tolérance, tout ce qui explique mon choix de m'intéresser à ce personnage, un homme de tolérance, d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire un bel esprit. Donc l'enseignement de l'émir est un modèle de tolérance. Tout individu en prière, qu'il soit juif, musulman ou chrétien, prie un seul et même Dieu unique. C'est la théorie, alors, de nouveau, la théorie du Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud. Voilà, bon, merci. C'est-à-dire celle de l'unité absolue de l'essence divine qu'il a développée dans son œuvre majeure, Kitab, voilà, de nouveau, le livre des Haltes. Kitab al-Mawaqif. Voilà. Donc, le livre des haltes, des stases, des états et des étapes, où il annonçait que Dieu est l'essence de tout adoré et tout adorateur n'adore que lui. Mais il va plus loin encore qu'aucun homme de foi ou de religion avant lui. Pour Abdelkader, toutes les prières s'adressent à Dieu, au Dieu unique. Seule la forme diverge, car chaque peuple a reçu la parole divine selon le mode spécifique qui lui correspondait. Alors je cite ce texte de l'émir. Pour qui le veut le Coran, pour qui le veut le livre discriminateur, pour qui le veut la Torah, pour tel autre l'évangile, pour qui veut la mosquée où prier son Seigneur, pour qui le veut la synagogue, pour qui le veut la cloche ou le crucifix, pour qui le veut la Kaaba dont on baisse pieusement la pierre, pour qui le veut les images, pour qui le veut les idoles, pour qui le veut la retraite ou la vie solitaire, pour qui le veut la guinguette ou lutiner la biche. Lutiner les biches, voilà. On ne peut pas être plus tolérant. Cette immense compassion et cette grande tolérance pour toutes les créatures de Dieu s'est manifestée de façon éclatante lors des émeutes antichrétiennes de 1860. Le Liban est alors l'objet de grandes violences interreligieuses. La révolte des Druzes contre les chrétiens maronites au Liban s'est assez vite étendue à la Syrie.
À Damas, durant le mois de juin et juillet, une bande d'émeutiers s'en était pris d'abord au quartier juif, puis avait menacé les délégations européennes, tandis que les autorités ottomanes laissaient faire la populace, piller la ville, et plus particulièrement les quartiers chrétiens. Tout aussitôt, Abdelkader, aidé par ses fils et ses compagnons maghrébins, s'est employé à protéger les 12 000 chrétiens de Damas en leur offrant l'asile à beaucoup d'entre eux dans sa propriété et en allant au-devant des émeutiers. Fils du péché, égorgeur de femmes et d'enfants, essayez donc d'enlever ces chrétiens auxquels j'ai donné asile. Ils sont mes hôtes, et vous, mes maghrébins, j'en prends Dieu à témoin. Nous allons combattre pour une autre cause aussi sainte que celle pour laquelle nous combattions autrefois. Et de rappeler aux agresseurs une sourate du Coran qui invoque le respect dû aux gens du livre. Al-Kitab. Al-Kitab. Voilà. Sa détermination, comme sa réelle autorité religieuse, a permis l'arrêt des troubles. Son geste de protection vers les chrétiens lui a valu une notoriété internationale. Lettres, présents, décorations, dont celle du pape Pie IX et de la reine Victoria, et des visiteurs de toutes sortes ont afflué à Damas. La petite impasse de la porte Bab al-Faradis a été souvent embouteillée par l'arrivée de princes, de politiciens, d'ecclésiastiques ou d'hommes d'affaires. C'est ainsi qu'on a vu le baron de Rothschild et Ferdinand de Lesseps se presser dans les salons de l'émir entre deux ecclésiastiques, un banquier suisse et de nombreux militaires de toutes nationalités. Dans le contexte de dislocation de l'Empire ottoman et d'une recherche du contrôle du Proche-Orient par les puissances européennes, Napoléon III s'était pris à rêver de constituer sous protectorat français un empire arabe au Moyen-Orient, libéré du joug ottoman, et de placer à sa tête Abdelkader. Après l'expédition française en Syrie, en 1860-1861, l'émir a opposé à ce projet un refus catégorique et définitif. Ses motivations étaient avant tout essentiellement religieuses, mais aussi politiques. Les Arabes, pense-t-il, se doivent de trouver leur autonomie par eux-mêmes. L'émir ne s'est jamais laissé entraîner dans les jeux politiques français en Orient, malgré l'insistance de l'empereur jusqu'en 1865. Son destin était ailleurs. Dès lors qu'il est parti effectuer deux pèlerinages à la Mecque, afin de devenir un compagnon du prophète. De janvier 1863 à juillet 1864, il a passé plus d'une année entre la Mecque et Médine. À proximité du Hiram, il s'est installé dans une petite maison où il est allé méditer dans la grotte de Hira, là où le prophète avait reçu la première sourate. Mais comme on voulait l'importuner, il s'était isolé et retiré pendant plusieurs mois à Médine, dans la maison d'Abou Bakr, le premier calife de l'islam, qui joue sur la mosquée du prophète. Cette solitude a causé quelque inquiétude à sa famille, n'ayant plus de nouvelles de lui. Sa seule rencontre à cette époque a été avec l'un des derniers maîtres encore vivants, Mohamed Al-Fassi Al-Shadili. Le 17 novembre 1869, il est présent aux côtés du Khédive d'Égypte, de l'impératrice Eugénie, de l'empereur François-Joseph d'Autriche, du prince royal de Prusse et d'ambassadeurs de divers pays pour l'inauguration du canal de Suez. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Excusez-moi. Alors, parmi les 70 navires pavoisés de l'escadre internationale sur le pont du Forbin, une frégate de la marine française mise à sa disposition, l'émir pense assister à l'union de l'Occident et de l'Orient. Toujours cette idée qu'il poursuit. Pour reprendre ses propres paroles, ami de longue date de Ferdinand de Lesseps, vous savez que c'est l'ingénieur qui a conçu le canal de Suez, qui était venu le voir dans son exil à Pau, l'émir avait encouragé ce projet de canal. Dans une lettre datée du 5 mai 1833, il avait écrit « Beaucoup de gens sensés du Hijaz et du Yémen viennent chez moi pour s'informer du canal de Suez. Je leur démontre l'utilité et le but de cette œuvre. Alors ils partent en priant Dieu d'en hâter l'achèvement. » Pour le remercier de son soutien, la compagnie du canal de Suez lui a offert une propriété dans la région d'Ismaïlia, à Bir Abu Bala. Fasciné
par les dernières innovations technologiques européennes, il a été heureux d'aller en France, en Angleterre, en 1865, et de visiter, en 1867, l'exposition universelle en France pour satisfaire sa curiosité. Donc, vous voyez, une très grande ouverture d'esprit, ouvert à la modernité, tout en gardant sa foi et ses méditations. C'est parce qu'il croit à la pertinence de toutes les expériences initiatiques que la franc-maçonnerie lui est apparue comme une voie dont il pourrait user pour insuffler de la spiritualité à l'Occident matérialiste. Ses premiers contacts avec la franc-maçonnerie remontaient à l'année 1860, où il avait reçu des francs-maçons venus le féliciter pour son action envers les chrétiens persécutés par les Druzes. Après une intense correspondance avec ses frères, ainsi qu'on parle des gens qui sont en loge maçonnique, ses frères parisiens, à son retour en Égypte 1864, il a été initié le soir du 18 juin 1864 à la loge Les Pyramides de l'Orient, à l'Orient du Caire, à Alexandrie. Les trois grades lui ont été accordés dans la même soirée. C'est assez exceptionnel, je pense, puisqu'ils sont donnés par tranche, et là, trois grades d'un coup. L'année suivante, à la faveur d'un voyage à Paris, le 30 août 1865, il a rendu visite aux frères de la loge Henri IV du Grand Orient de France, qui avaient suscité son adhésion pour leur exprimer toute la difficulté d'installer de telles institutions dans l'Empire ottoman pour y recevoir la confirmation de son adhésion et de l'obtention des trois grades décernés à Alexandrie. Pourtant, à la fin de sa vie, il a été amené à prendre quelques distances avec la franc-maçonnerie, quand le Grand Orient a décidé, en 1877, de ne plus faire référence au grand architecte de l'univers, ce qui l'a chagriné parce que c'était contraire à sa croyance en Dieu. Le musée du Grand Orient, rue Cadet, à Paris, a conservé un beau portrait d'Abdelkader, c'est celui que vous voyez ici en couleur et à l'écran. Donc, conservé le beau portrait d'Abdelkader, vêtu d'une gandoura et d'un burnou, blanc orné de ses décorations. L'adhésion de l'émir à la franc-maçonnerie a été motivée par deux préoccupations fortes. Une stratégie de relation avec l'Europe par des groupes intermédiaires et l'idée d'une réciprocité spirituelle pour irriguer l'Occident par le biais d'une société somme toute semblable à une confrérie musulmane, une tarika. Bon, on peut faire cette assimilation. Dans le même temps, il a continué à avoir une activité politique, soutenant plus ou moins le mouvement de renaissance arabe anti-ottomane, encouragé par le cadife d'Égypte Ismaël Pacha, qui rassemble des intellectuels égyptiens, syriens, libanais, mais aussi chrétiens. Et nous avons en Charente un personnage qui s'appelle Besson, qui était l'amiral adjoint, enfin en fait c'était celui qui a organisé la flotte pour Ismaël Pacha. Donc, il y avait des officiers français qui étaient refusés en France parce que pour leurs opinions bonapartistes, c'était le cas de Besson, et Besson donc s'est mis au service d'Ismaël Pacha. Et il est mort à Alexandrie. Et c'est pour ça que on a une rue, enfin une avenue Angoulême, bord de la Charente, qui s'appelle boulevard Besson-Bey, puisqu'il avait été fait Bey, c'est une distinction, un grade honorifique. Voilà. Alors, dans le salon d'Abdelkader, il est question de l'articulation entre arabité et islamité, et de la primauté qu'il convient à l'une et à l'autre. C'est là le début d'un nationalisme arabe, ce qui n'a pas été sans inquiéter les autorités ottomanes, au point de s'en plaindre aux autorités françaises et de le menacer d'expulsion et de représailles. Je rappelle qu'il est considéré comme ressortissant français, ce qui est un peu paradoxal, mais comme ça. Les défaites françaises de 1870 et l'emprisonnement de Napoléon III par les Prussiens ont beaucoup affecté Abdelkader. D'abord par amitié pour l'empereur déchu, mais aussi et surtout parce que sa chute a sonné le glas du projet de royaume arabe de Napoléon III. Ce que voulait faire Napoléon III, c'était au fond de faire de l'Algérie, de donner à l'Algérie le même statut que le royaume du Maroc.
C'est quand même dommage qu'on n'ait pas fait cette transition. Le Senatus Consul de 1865, qui a instauré la nationalité française pour tous les Algériens, est suspendu. C'est effrayant quand on sait que c'est avec la guerre d'Algérie qu'on s'est trouvé avec cette... La population indigène n'avait pas de citoyenneté. On a donné la citoyenneté aux Juifs, naturellement aux colons, mais voilà. Et là, c'est là que commence évidemment le problème pour l'Algérie. Alors, quand on pense que Napoléon III, on a dit beaucoup de mal de Napoléon III, et pourtant, il était quand même en la matière, quand même un devancier. Donc le Senatus Consul de 1865 qui a instauré la nationalité française pour tous les Algériens est suspendu. Les bureaux arabes démantelés, tandis qu'un régime civil favorable aux colons est institué. Donc c'est la situation qu'on a connue finalement et qui est devenue conflictuelle. En 1871, la résistance algérienne a provoqué un ultime sursaut, celui de l'insurrection de Mokrani en Grande-Kabylie, qui a gagné ensuite le Constantinois et une grande partie de l'Oranie. La répression a été féroce. Ces événements ont beaucoup troublé l'émir, d'autant plus que son fils, Mayeddin, figurait parmi les insurgés. À partir de cette époque, l'émir s'est consacré exclusivement à ses travaux personnels, aux œuvres pieuses dont le financement d'un aqueduc à la Mecque. Les événements lui ont échappé peu à peu, alors que l'Empire ottoman était en train de se désagréger, en proie à des révolutions plus ou moins encouragées par les puissances européennes. Le 26 mai 1883, l'émir s'est éteint à Damas. Il a été inhumé conformément à côté de la tombe de son maître, Ibn Arabi, dans une mosquée sur les hauteurs de la ville de Damas. Ce même Ibn Arabi, né en 1162 et mort en 1240, appelé aussi le vivificateur de l'islam, à l'origine du soufisme, avait proclamé à la suite d'une vision qu'il a eue dans sa jeunesse, « Je suis que ma parole allait atteindre les deux horizons, celui de l'Orient et de l'Occident. » C'est une phrase de Ibn Arabi que Abdelkader a repris, donc comme Abdelkader qui se voulait, à l'instar de son maître, un pont entre l'Orient et l'Occident. L'émir, qui avait été un homme pieux, un chercheur et un philosophe, avait rêvé d'unir des hommes de religions différentes au point d'en faire un combat de toute sa vie. C'est ainsi qu'il avait repris à son compte l'enseignement d'Ibn Arabi, et je cite, « Tant que tu me vois musulman, et quel musulman, parfaitement sobre et pieux, humble et toujours suppliant. Tantôt tu me vois courir vers les églises, serrant fort une ceinture sur mes reins, et je dis au nom du Père, au nom du Fils, et après au nom du Père, et par l'Esprit Saint, tandis que dans les écoles juives, tu me vois enseigner, je professe la Torah, et leur montre le chemin. » Bon, voilà l'ouverture aux différentes religions monothéistes. En conclusion, en 1966, le corps d'Abdelkader a été transféré en Algérie pour être placé dans le caveau des martyrs au cimetière d'El Alia, ceci afin de restaurer la continuité historique de la résistance algérienne malgré la parenthèse coloniale de 1848 à 1962. Une statue équestre montrant sur un socle imposant l'émir Abdelkader à cheval, brandissant un cimetière, a été érigée dans les années 1980 en remplacement d'une autre, plus modeste, érigée peu après l'indépendance en lieu et place de celle du général Bugeaud, sur une place de la rue d'Isly. Pour l'édification d'un musée de l'armée dans le somptueux ensemble de Riyad al-Fatah à Alger, le président Chatli avait passé commande de tableaux à toute une escouade d'artistes. Se souvenant d'une visite de l'émir à Versailles, où on lui avait montré l'immense tableau peint par Horace Vernet de la prise de la Smala, il aurait déclaré simplement « Pourquoi n'avez-vous pas peint des tableaux où vos propres troupes battaient en retraite ?» Le peintre Hossein Ziani, en quelque sorte, répondit à sa façon en reconstituant une bataille de Kang en-Nata
et deux ans plus tard, la bataille, une bataille de la Makta, inversant et signe d'une légitime célébration de combat où l'émir avait eu le dessus. Hossein Ziani a aussi réalisé un portrait d'Abdelkader, mais en le débarrassant de toutes ses encombrantes médailles des précédents portraits. Ainsi, Abdelkader est devenu pour l'Algérie un héros national. Pour mieux comprendre ce que peut représenter la personnalité d'Abdelkader en Algérie, alors là, je m'adresse à un public français, tradition, nous pouvons le rapprocher d'un personnage de notre histoire nationale, Vercingétorix. Vercingétorix, on ne sait pas grand-chose, puisque en fait, c'est un titre. Ça veut dire le chef, hein, le chef suprême, enfin, le chef d'état-major. C'est ce que ça veut dire Vercingétorix en langue gauloise. Alors, Vercingétorix combattit les Romains et qui avait tenté de regrouper les diverses tribus gauloises pour mieux s'opposer aux Romains de Jules César, envahisseur de la Gaule. Donc, vous voyez le parallèle, Vercingétorix, Abdelkader, les Romains, les Français étant les envahisseurs. Comme certes Abdelkader était un musulman très pieux, très attaché à sa religion, marqué par le soufisme, qui est une version mystique de l'islam, mais il a été aussi la peau d'une tolérance qui lui permettait sa grande culture et son érudition en matière notamment de connaissance des grandes religions monothéistes. Voici ce qu'il a écrit en 1865 dans une correspondance avec ses frères maçons de la loge Henri IV à Paris sur ses conceptions métaphysiques. La pratique de la tolérance consiste à ne pas s'en prendre à l'homme une religion quelconque pour l'obliger à l'abandonner, à renoncer à sa croyance par l'épée et la contrainte. Toutes les lois religieuses authentiques sont tolérantes, que ce soit l'islam ou d'autres. Seuls les ignorants, qu'ils soient musulmans ou autres, croient que si les musulmans combattent les chrétiens ou autres, ils le font pour les obliger à abandonner leur religion et adopter l'islam, ce qui est une erreur. Car la loi islamique ne contraint personne à renoncer à sa religion, mais c'est un devoir pour celui qui connaît la vérité en matière de croyance et ce qui est juste en matière d'œuvre et qui voit quelqu'un dans l'erreur, dépourvu de bon sens, de le ramener avec douceur et intelligence et de lui montrer la voie par la preuve et les arguments qui s'adressent à la raison. Il s'agit d'être utile à son frère et de le protéger du mal. C'est même l'attitude la plus importante. Donc voilà la pensée d'Abdelkader. Il avait dit encore, ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme. Interrogez plutôt sa vie, son courage, ses qualités, et vous saurez qui il est. Si l'eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce, c'est qu'elle vient d'une source pure. Ce ne sont pas là des vains mots, car tant il a su traduire dans sa vie ce qu'il a écrit. En même temps, une belle pensée à méditer pour nous aujourd'hui, dans les temps troublés où nous vivons, face à des gens intolérants et violents, se réclamant de diverses idéologies ou de religions en voie de radicalisation. Abdelkader a été donc un pionnier en matière de dialogue interreligieux et culturel, ce qui n'était pas évident en son temps, plaidant de la sorte pour un mieux vivre ensemble. Pour l'écrivain et journaliste Jean-Claude Guilbeault, comme Abdelkader, le rôle des religieux pour retrouver ce monde commun est irremplaçable. Je suis convaincu que, contrairement à ce que l'on dit parfois, c'est la fermeté et la maturité des convictions religieuses qui permettent le dialogue et l'ouverture à l'altérité, à l'autre. À l'inverse, ce sont les croyances faibles et immatures qui versent facilement dans le dogmatisme et l'intolérance. Sous-entendu, plus les gens sont cultivés et sont tolérants. C'est l'ignorance qui fait l'intolérance. Nous sommes d'accord. Rejoignant cette pensée au lendemain de la tuerie de Charlie Hebdo, le 11 juillet 2015, Abdennour Bidar, intellectuel musulman, philosophe et soufi, comme Abdelkader, a posé la question de savoir pourquoi le discours politique et républicain tourne à vide. Pourquoi la République a-t-elle autant de difficultés à construire du lien social, à intégrer les jeunes générations et à freiner la xénophobie? Pour lui, la clé, c'est la fraternité. Dès le 12 janvier, dans son plaidoyer pour la fraternité,
il a invité à prendre conscience qu'il nous faut passer du choc des civilisations à celui de la fraternité des cœurs et des cultures, comme l'avait recommandé plus d'un siècle avant lui, et à sa façon, Abdelkader. Dans le même sens, l'acteur Reda Kateb a déclaré « La foi des autres m'intéresse quand elle relie les individus entre eux, au-delà même de leur religion. » Je vous remercie pour votre attention et pardonnez-moi peut-être d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jacques Baudet pour cet éclairage particulièrement riche et étayé au travers duquel on a pu vivre avec vous la rétrospective de la vie de l'amir Abdelkader rahimahullah. Je vous remercie également de l'avoir rendu particulièrement vivant. Donc votre étayage nous a fait replonger dans une histoire qui, par les anecdotes que vous avez rappelées, les faits historiques auxquels vous avez fait référence, ont rendu ce personnage terriblement d'actualité finalement. C'est la conclusion qui a été la vôtre. Ce que je vous propose peut-être, c'est que nous puissions engager un échange avec la salle à partir de ce que vous avez pu évoquer et puis voir éventuellement, est-ce que vous ouvrez finalement par la conclusion au débat et au regard qu'on peut porter aujourd'hui sur la réalité que nous sommes en train de vivre, sur l'actualité qui est la nôtre. J'invite la salle à poser un certain nombre de questions, des remarques, des observations pour nous permettre de continuer ensemble cette soirée particulièrement riche. Je vous renouvelle mes remerciements, cher Jacques. Merci, Hamid. C'est souvent la première question qui coûte. Après, c'est... Merci encore. Les autres suivent. J'aurais plusieurs questions à vous poser, mais à mon avis, celle qui m'apparaît la plus... essentielle, je dirais pas le plus important, essentielle et actuelle, que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de l'émir? En parallèle, je vous adresse une autre question. Si vous pouviez nous dire un petit peu plus sur le côté mystique, le soufisme, tasawuf, ce serait nous rendre heureux. Merci. Là, j'avoue que... Non, je ne connais pas cet héritage. Enfin, je sais... Enfin, c'est l'héritage mystique soufi. Hein. Voilà, c'est une sensibilité. Alors, je pense que politique, l'Algérie d'aujourd'hui honore le souvenir d'Abdelkader et c'est un symbole. Il est emblématique de l'histoire algérienne, puisqu'au fond, il est le premier à avoir essayé de constituer un territoire organisé face à l'invasion coloniale. Alors, sur le plan strictement religieux, là, je n'étant pas connaisseur de l'islam, ça m'est très difficile de répondre. Moi, il me semble que... Il faut être de l'intérieur, je pense. Il me semble je ne suis pas musulman, alors, par conséquent, voilà. C'est difficile d'en parler. Oui. Naturellement. Je peux et par respect, hein, parce que... Mais les musulmans aujourd'hui, je pense, mettent davantage l'accent sur l'aspect, je ne dirais pas ésotérique, mais plutôt mystique, tasawuf, oui. Je le répète encore une fois, oui. Que l'aspect politique, parce que l'émir a fait en quelque sorte ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire libérer l'Algérie avec tout ce... bien sûr, il faut mettre les choses dans leur contexte, avec tout cela comporté. Mais quand on voit qu'il est parti d'une situation pour se retrouver dans une situation inverse, puisqu'il est devenu... pratiquement la France, l'ami de la France, le qualifie, il me semble que le côté politique a été un petit peu mis de côté. Mais le côté mystique, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, a été notamment mis en évidence par l'artiste algérien Rachid Qureshi, qui, je vous le rappelle, a fait la grande tapisserie qui se trouve dans le hall de la BFM, et qui a rendu un hommage vibrant en s'appuyant sur Ibn Arabi, qui est le Cheikh Al-Akbar que vous avez nommé. Oui, c'était la grande référence de l'émir. Et, oui. Voilà, et qui, quelque part, a relancé encore, en quelque sorte, il a éveillé une seconde fois l'émir Abdelkader, qui, aux yeux de certains, semblait complètement oublié, oui, en effet.
Il a réactualisé, c'est ça. Oui. Et s'est approprié son enseignement aussi. Enfin, voilà. D'autres commentaires, d'autres questions ? L'Ardar, oui. Merci, bonjour Jacques, bonjour à tous. Moi, j'avais une question, tout à l'heure vous avez abordé après la bataille d'Isly où qu'il avait perdu et donc il avait gagné d'autres batailles juste après. Vous avez parlé des prisonniers, dont 200 prisonniers dont il ne savait que faire. Oui, effectivement, il est très respectueux. Hein. Voilà, et les conventions de Genève n'existaient pas encore. Mais faisait-il? Et justement, je voulais vous lancer là-dessus. Est-ce qu'il est vrai qu'il a inspiré Henri Dunant En effet. Et il a été précurseur du droit international humanitaire? Non, vous avez raison de rappeler ça, parce que je suis passé rapidement là-dessus. Mais effectivement, il avait un respect des prisonniers. Ils étaient prisonniers, bien sûr, mais il n'y avait pas de torture. Il y a une très grande humanité chez Abdelkader, en effet. Et là, on le trouve en la circonstance. Quand on fait la guerre, on a envie de se venger, hein, parce que la guerre, c'est la haine. Hein, non, apparemment. Donc il s'arrangeait avec Dupuche, enfin l'évêque d'Alger, pour les transactions, disons. On échange les prisonniers, etc. Et en attendant, il les traitait correctement, autant que faire se peut. D'accord. Et est-ce qu'il est vrai qu'il aurait inspiré Henri Dunant? Comment, pardon? Henri Dunant, qui est fondateur de la Croix-Rouge, et j'ai lu qu'il l'aurait inspiré pour... Peut-être, oui. La Croix-Rouge. Oh, la Croix-Rouge est née, je crois, dans le cadre de la guerre de Crimée, il me semble. Hein. En 1855, voilà. Avec Henri Dunant. Hein, c'est Henri Dunant qui était à l'origine. Oui, mais ça y participe, tout ça. Hein. C'est... Oui, oui. C'était dans l'air du temps, comme on dit. Oui. Vous avez évoqué son séjour à Pau, et j'ai en mémoire une anecdote qui nous avait été livrée par le guide du château de Pau, en disant que les habitants de Pau étaient effectivement, comme vous l'avez rappelé, manifestaient en tout cas une certaine hostilité à sa venue à Pau, et un peu plus de 6 mois après, les citoyens de Pau, lorsqu'ils ont appris que l'émir Abdelkader allait quitter, ont pleuré. Son départ, ont été affectés, touchés par la tristesse, et ont manifesté tout au long de son cortège lorsqu'il quittait la ville de Pau. Et c'est, ma foi, une anecdote particulièrement intéressante. Vous avez évoqué rapidement son passage à Pau tout à l'heure. Oui. Je crois, en plus, cet homme était grand. Il avait une certaine prestance. Hein. Ça aide, mais il portait sur lui ce qu'il était au fond à l'intérieur, hein, quelque sorte. Hein. Il était beau à l'intérieur comme à l'extérieur, on peut dire. Et donc il suscitait nécessairement la sympathie, voire l'admiration, parce que quand même, il avait tenu tête aux Français, même s'il avait perdu, mais enfin, c'est un adversaire. Et vous voyez, Bugeaud essayait de le défendre. Alors, ça veut dire quand même qu'on s'estimait entre adversaires, si je puis dire. Moi, j'ai une question, Jacques. Oui. Au regard des débats actuels, des problématiques actuelles, des enjeux actuels, dans quelle mesure la figure de l'émir peut être une figure médiatrice, finalement, dans la société française telle qu'on la vit aujourd'hui, avec un certain nombre de conflits qui se structure autour de problématiques interculturelles, religieuses, de difficultés à vivre ensemble, à exister ensemble, mais parce que finalement, au travers de votre récit, on se rend compte que son histoire pourrait faire figure de médiateur. Ça peut être un médiateur à partir duquel on pourrait réfléchir nos relations aujourd'hui. Oui, je crois qu'il est... En Algérie, il est très connu, bien entendu, mais en France, il est méconnu. Donc,
Voilà. Alors, moi, c'est un petit début pour faire connaître la mémoire de l'émir Abdelkader et de sa pensée, de son action. Voilà, il faudrait le médiatiser, je pense. Voilà, peut-être votre association, les Amis de l'Algérie, peuvent mettre ça en projet. Merci Jacques de ton exposé qui est parfait, qui ne dit pas grand-chose dans la vie de cet homme si grand. Donc la question qui vient de poser le frère, elle est pertinente. Sauf qu'avant de passer dans le vivre ensemble, il faut être déjà un mystique, déjà avoir la spiritualité en l'homme. Et c'est à partir de là qu'on peut agglomérer des personnages, des personnes qui sont à la recherche d'une voie perdue, qui la retrouvent à travers la prestance, le respect et la tolérance. C'est le premier qui a donné l'exemple du vivre ensemble. Pourquoi nous ne continuons pas dans cette même direction, à condition bien sûr d'avoir en soi cette mystique, ce sophisme. Il vient de le comportement, il vient de la pratique, il vient aussi de ce qu'on est réellement. Mais si on développe la violence pour la violence, non-respect des valeurs, tu as parlé de l'ADAP tout à l'heure, c'est tout un apprentissage. Qu'il faut d'abord passer par là pour être l'homme qu'on recherche aujourd'hui, qui justement représente toutes ces choses que nous cherchons dans nos quartiers, dans nos mosquées, dans la pratique. À toi ta religion, à moi la mienne. Mais ça n'empêche pas qu'on soit copains, qu'on soit ensemble, se respecte ensemble, qu'on peut aller à l'église ensemble, qu'on peut sortir aussi d'aller à la mosquée, fêter l'Aïd. Ou aller à Noël, partager justement aussi la fête avec les chrétiens, etc. Donc si on n'est pas prêt dans ce domaine et que notre jeunesse n'est pas dans une situation de miséricorde, on ne pourra pas y arriver. Ce sera la violence pour la violence, mais il vaut mieux développer ce genre de personnage, le prendre comme exemple pour justement apaiser et trouver la spiritualité, et trouver l'adab, comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure. Donc, il y avait Trezel, la Mauricière, tous ces noms, c'était les généraux qu'ils ont sillonnés, qu'ils ont fait des choses. Trezel, c'est Sogol aujourd'hui, Burdo, etc. Toute cette colonisation a laissé des restes. Tu parlais de 1800, juste quand on a donné la citoyenneté aux Juifs et non pas aux musulmans. N'est-ce pas là la grande erreur? Immense erreur. On avait déclaré la guerre aux Algériens. C'était une forme de déclaration, voilà. Tout à fait. Donc, à partir du moment où il faut 10 personnes pour faire une voix d'un métropolitain, par exemple, donc déjà là, on a tout faux. Et la guerre d'Algérie n'aurait jamais eu lieu. Ça aurait été une indépendance d'association pour justement avoir aujourd'hui, c'est un moment d'Algérie par rapport à la France, les deux blocs. Et on serait les maîtres de. Ben oui. On a parlé de la Crimée tout à l'heure. Les premiers soldats, justement, à l'époque, les premiers engagés, ou en tout cas emmenés comme chair à canon, c'était les Algériens. C'était pas quelqu'un d'autre. L'Algérie a beaucoup contribué à la grandeur et à l'indépendance de la France. C'est le zouave du pont de l'Alma. Tu peux nous dire l'étymologie, l'origine du mot zouave. Le zouave, oui. Pour nous, le Kabyle, les Arabes, appellent les Kabyles les Zouaouis. Ah oui, voilà. Tout ça vient de là. Oui, d'accord. Ça vient de là. Et donc, on disait aussi les Bics, les Olibico. Ça vient de quoi? Ça vient qu'en guerre de Crimée, par rapport au froid qui sévissait là-bas, on avait mis des pots de chèvre pour se réchauffer. Oui, dans le même ordre, on parlait des Cheleux pendant la guerre 14-18, parce que les soldats avaient combattu au Maroc contre une tribu, les Cheleux. Tribu de. Après, les Allemands étaient devenus les Cheleux. Enfin, c'était. Bon, c'est les termes de l'époque. Il y a le terme aussi bougnoul. Le mot bougnoul vient de quoi? Il vient de l'agnoul. Pour attaquer, envoyer la première ligne complètement bourrée, comme on dit. Ah, ben oui, parce que. En 14-18, les gourdes ne contenaient pas de l'eau, mais contenaient de l'eau de vie. Donc, on les envoyait au casse-pipe en.
faut qu'il soit complètement... Oui, c'est ça. Ah, ça vient de là, alors. Ça vient de là, parce que comme nos compatriotes parlaient mal français, elle aurait dit, c'est bon, l'agneau, t'en veux encore ? Bagnole, bagnole. Ben oui. Alors, je voulais vous dire une chose, là, ce que j'avais appris, parce que dans l'éducation nationale, on a des stages, et on avait demandé d'avoir un stage sur l'islam. Et je me rappelle cette phrase qui avait été donnée. Pour les musulmans se sentent émergés dans Dieu et ils considèrent l'Occident comme émergé. C'est le matérialisme. Voilà. Et disons en Occident, ben, y a peu de croyance, quoi. Il manque de croyance. Et pour les musulmans qui sont... Les musulmans, c'est le croyant, puisque c'est l'étymologie. Hein. Évidemment, c'est un porte-à-faux. Et je pense que quand les gens... Je m'est arrivé de discuter, de rencontrer des musulmans. Il y a du respect à partir du moment où on est à la façon d'Abdelkader, qui disait, tu es croyant dans ta religion, mais tu accordes les discours et les actes. Moi, je suis d'une autre religion, mais j'apprécie ce que tu es. Voilà. Mais le musulman qui a en face de lui un incroyant, matérialiste, là, il est désemparé. Voilà. Et je crois que c'est là un peu notre problème. Voilà. Parce qu'on parle de choc des civilisations, mais enfin, il y a du religieux, en face, rien. Voilà. Peut-être, c'est une façon peut-être un peu trop schématisée, mais je connais le désarroi de certains musulmans qui m'ont dit, ben oui, nous, on est croyants, et en face de nous, les gens, ils croient rien. Ils sont... Voilà. Le confort, voilà. La télévision, etc., tout le fait matériel. Quand on a faim et qu'on est pauvre, on s'accroche plus à Dieu. Oui. On peut dire ça aussi, oui. La dîme tout à l'heure, ou la zakat par exemple, plus on amasse, plus on oublie de la dîme. Voilà, oui. Une autre question ? Oui. Oui, d'accord, oui. C'est bien. Du coup, bonjour tout le monde. Oui. On aura d'autres discussions entre nous, Kader. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la présentation qui est très intéressante. Aujourd'hui, face à l'histoire de l'émir Abdelkader, moi je me trouve face à un personnage qui a en quelque sorte deux personnalités. Oui. La première, c'est un homme de guerre qui a lutté contre la France pendant 17 ans avec 116 batailles. C'est un héros en quelque sorte. Mm-hmm. Et après, un homme de paix, un homme d'esprit ouvert et tout ça. Moi j'aimerais bien comprendre c'est quoi le tilt, c'est quoi cette étincelle qui a donné la naissance à un changement radical d'une personnalité d'un homme de guerre vers la personnalité d'un homme d'esprit ouvert, un ressortissant français. Merci. Bien, il faut commencer. C'est pour ça que j'ai insisté sur son éducation. Son éducation, sa formation, qui a été profondément religieuse. Donc ensuite, il est devenu un homme d'action. C'est d'ailleurs sa personnalité. C'est quelqu'un qui peut être un intellectuel, quelqu'un qui est un homme de prière, qui peut s'isoler dans un ermitage. Hein. En même temps, c'est un homme d'action, un organisateur, presque un juriste. Hein, organise un État. C'est fascinant d'avoir tout ça. Alors, ce qui fait que, évidemment, quand il a été fait prisonnier, il a eu, dans sa prison ou après dans ses châteaux, il était en liberté surveillée, mais enfin, il a eu le temps d'étudier. Finalement, c'est ça. Il se tourne vers l'étude. À défaut, il ne peut pas agir. Donc, il se tourne vers l'étude. Et après, il a compris que, bon, c'est comme ça. Il faut que je fasse autre chose. Donc, au point de vue, l'homme d'action qu'il était devient un homme méditatif, spirituel. Voilà.
mais parce qu'il y avait déjà toute cette éducation qui est remontée. Il y avait les deux, il y a deux aspects chez lui. Il y a un aspect qui se ferme, celui de l'homme d'action, de l'organisateur, de l'homme politique, ou du guerrier, comme on voudra. Et toute cette éducation qui était basée sur... qui lui avait donné cette spiritualité, alors cette partie a ressurgi. J'explique ça comme ça, mais bon, c'est un début d'explication. Bon ben, merci pour cette conférence. C'est vrai, Amir Abdelkader, moi j'ai toujours grandi avec... Je suis né en Algérie. Oui. J'ai toujours grandi avec cette image de l'Amir Abdelkader. Et tout ce que vous m'avez apporté, vraiment, c'était des choses vraiment que je ne connaissais pas. Enfin, certains points, mais certaines choses, c'était vraiment de la richesse. Je vais poser une question, c'est un petit peu sensible, mais je dois la poser parce qu'on tourne dans ma tête. Si l'Amir Abdelkader, il était vivant parmi nous, parce qu'il a fait la guerre, c'est une guerre sainte, c'est au nom de l'islam. S'il était vivant parmi nous, est-ce que deviendra une partie comme il est maintenant, comme on connaît, ou bien on le traitera de terroriste, parce qu'on le voit, il est barbu, il est habillé avec un gel là-bas. Non, faut resituer dans son contexte. Là. Bon, non, mais c'est une question. Voilà. Oui. Faut situer dans son contexte. Hein. Pardon, oui. Peut-être. Oui. Simplement, pour vous dire, représentant de la fédération, je remercie l'association, les amis d'Algérie, plus la municipalité. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a deux mois de ça, on a essayé de faire la même conférence avec Lucien Abada, qui est originaire de Pau, qui était conservateur des musées. La municipalité de Brive nous a refusé la salle et nous a dit qu'il ne faut pas parler de la guerre d'Algérie. Simplement pour que les gens le sachent. Avant de clore, je voudrais faire une petite annonce pour nos amis, les amis d'Algérie. Je n'ai pas bien compris la question. Le 15 prochain, on aurait besoin de 4 ou 5 personnes d'ici de Limoges qui peuvent venir à Bordeaux, à l'hôtel Mercure, pour justement faire une formation de la sécurisation des mosquées. On aura des personnes spécialisées dans ce domaine qui viendront à Bordeaux de 10h. À 15h l'après-midi, et vous repartez avec un diplôme. Tous les frais seront pris en charge par cette organisation. Ça sera à Bordeaux, hôtel Mercure. Et par contre, il faudrait se dépêcher à me donner vos mails pour qu'on puisse vous écrire directement. Vous débrouillez au moins 4-5 envers. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci d'être venus, de nous avoir accompagnés sur cette soirée. Je me permettrai un petit commentaire de clôture au travers de cet exposé particulièrement riche. Je crois que ce qui fait finalement le pont entre les uns et les autres, c'est la reconnaissance mutuelle. Et on voit que l'émir Abdelkader a réussi à être reconnu sans pour autant négocier ce qu'il était, sans négocier sa foi, sans négocier ses principes. Très bien. Je pense que c'est l'enjeu qui va être le nôtre dans les 10-15 prochaines années, cette reconnaissance mutuelle dans nos différences, dans nos besoins mutuels, sans que celle-ci ait à être négociée. Et je crois que sa figure est un éclairage particulièrement intéressant pour nous. Et encore une fois, Jacques, sincèrement, merci, parce que c'était une perspective vraiment riche, à la fois historique et biographique. Voilà, c'est vous participez à la construction de ce vivre ensemble, et je tenais sincèrement à vous en remercier. Merci. Merci pour votre accueil, et merci pour ces aimables paroles. Voilà. Donc c'est avec plaisir que j'ai fait cette étude, parce que j'admire ce personnage, et parce qu'il m'apporte aussi beaucoup de choses. Aussi, hein. Voilà, donc un peu personnage que j'admire. Enfin, j'espère que vous l'avez senti. Merci. Oui. Ah, peut-être.
J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a d'autres personnages dont vous pourrez traiter le... Comment, pardon ? Est-ce qu'il y a d'autres personnages dont vous pouvez faire un exposé ? C'est ça qu'on vous pose. Ah oui. Alors après, effectivement, là, c'est un personnage qui sort du territoire national, si j'ose dire, encore qu'il appartient à la France quand même aussi un peu. Mais les personnages que j'ai pu étudier, oui, comment ? Des personnages, c'est plutôt des personnages nationaux, hein, de l'histoire de France. Hein. Moi, j'aimerais répondre à cette question, c'est qu'on a le projet de faire d'autres conférences comme celle-ci, sur d'autres personnages qui font le pont entre eux, comme c'est aujourd'hui. C'est à la demande. Voilà, donc si on me demande, je fais des recherches. Faire des conférences éventuellement. Très volontiers. Pour clore, on a déjà Hamid à clos la conférence. Il y a d'autres personnages dans le... je pense à des grands personnages comme Avicenne, qui mériteraient aussi des études. Hein, voilà. Bon. Les grands personnages, il y a Moukrani, il y a Haddad, Oui. Mais bon, je ne veux pas trop me risquer parce que je ne suis pas... Je ne suis pas arabisant, et donc vous avez vu que j'avais des difficultés quand même. Donc, voilà. Bon. Je vous remercie à tous d'être venus pour cette conférence qui s'est bien déroulée, je pense. Monsieur le consul, peut-être dire quelque chose. Monsieur le consul, peut-être qu'il veut dire quelque chose et monter sur la scène. Bon. Exposé. Merci à vous. Et le travail de recherche que vous obtenez. Oui, je me suis appuyé sur les travaux de Bruno Etienne. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. On n'en dit jamais assez sur ce grand homme, cette figure emblématique. Merci. Et merci de m'avoir invité. C'est l'association qui vous a invité. Hein. Voilà. C'est l'association. Mais je suis très honoré par votre présence. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Bon. Et merci beaucoup pour le travail de recherche que vous avez fait. Merci, monsieur le conseiller. À très bientôt. Monsieur le conseiller, je voulais dire deux mots à l'assistance. Très bien. D'accord. Okay. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous remercie à tous d'être venus, nos invités d'Angoulême, monsieur le consul. J'aimerais maintenant remettre un présent pour sa visite, pour le remercier, à Jacques. Et ensuite, ne partez pas, parce qu'on a prévu un petit buffet avec du thé et des gâteaux, mesdames. Restez un petit peu. Et on va tous se rencontrer là-bas, on pourra en reparler. Donc merci Jacques pour ta venue à Limoges. C'est un cadeau de Limoges, c'est un souvenir de Limoges. Et vous pouvez vous diriger à l'extérieur, là-bas on a préparé des gâteaux et tout, et puis on pourra encore en discuter. Merci à vous.